Voyons ici la règle de 3 au moyen d'un exemple. Une voiture consomme en moyenne 9 litres d'essence pour parcourir 100 km. Combien de litres d'essence doit-on prévoir pour parcourir une distance de 567 km? Pour résoudre une telle tâche, le plus simple, c'est de rédiger un petit tableau à 3 lignes et 2 colonnes. La dernière cellule contient toujours ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est un nombre de litres. Donc, la dernière cellule contient combien de litres? Donc, la colonne de droite, c'est la colonne des litres, et par conséquent, la colonne de gauche, c'est la colonne des kilomètres. Relisons l'énoncé. Une voiture consomme en moyenne 9 litres d'essence pour parcourir 100 kilomètres. Donc, 9 litres sont nécessaires pour parcourir la distance de 100 km. Et puis, on demande combien de litres sont nécessaires pour parcourir 567 km. Pour passer de 100 km à 567, nous allons passer par l'unité. Pour passer de 100 à 1, il faut diviser par 100. 100 divisé par 100, ça fait 1. Alors, on doit faire la même chose de l'autre côté. Pour passer de là à la cellule suivante, il faut aussi diviser par 100. Et 9 divisé par 100, ça fait 9 centièmes. Maintenant, on passe de 1 km à 567 km. Par conséquent, pour passer de là à là, on doit multiplier par 567. Alors, il faudra faire la même chose de l'autre côté. On doit multiplier par 567. Et 9 centièmes fois 567, ce calcul-là, ça donne 51,03. N'oublions pas de répondre à la question par une phrase finale. La réponse est: pour parcourir la distance de 567 km, il faut prévoir 51,03 litres d'essence.